Une nouvelle fois, c'est le conseil régional qui fait un pas en avant vers la réunification. Nous allons voter un vœu qui correspond au vœu que nous votons depuis déjà plus de 30 ans dans cet hémicycle régional, généralement à l'unanimité, pour indiquer notre disponibilité pour accueillir effectivement le 5e département du conseil régional. Maintenant, nous rappelons aussi que les règles de la République doivent s'appliquer et que pour le moment, c'est la Loire-Atlantique qui doit assumer sa position, sa décision de rejoindre ou pas la région Bretagne. Plus qu'un vœu, c'est finalement une délibération qui a été votée par la région. Un signe fort, juste avant que le département de Loire-Atlantique ne se réunisse pour voter sur la question. Le tout, quelques jours après qu'une pétition a recueilli plus de 100 000 signatures, soit 10% des électeurs de Loire-Atlantique. Un nombre qui change tout pour l'opposition. Nous souhaitons que force soit donnée à cette pétition massive pour que les habitants de Loire-Atlantique soient consultés et que le conseil départemental, à lui seul, ne puisse pas refuser cela. C'est ça qui est l'essentiel, puisqu'on sait que la majorité du conseil départemental de Loire-Atlantique est hostile, mais ils n'ont pas le droit aujourd'hui, vu la masse de cette pétition, d'y faire obstacle. Réunir la Bretagne, pourquoi pas? Mais rien ne peut se faire sans le peuple. Aujourd'hui, il y a une crise très grave en France, une perte de légitimité des élus. Les élus ne peuvent plus décider tout seuls. Donc le Rassemblement national réclame un référendum régional, à la fois en Bretagne et dans les Pays de Loire, pour cette mesure. Dans l'hémicycle de la région, le oui à la réunification est unanime. Par cette délibération, la Bretagne sollicite ainsi l'organisation d'une consultation populaire sur le territoire régional. Celle-ci devra d'abord être approuvée par le Conseil départemental de Loire-Atlantique.